Après ça, il va avoir le culot de dire que je suis bruyant avec ma guitare. Okay. Je pensais que c'était le tiroir que tu voulais réparer, pas ton pouce. Là, là, viens donc m'aider au lieu de rester là à rien faire. Oh. Si je fais rien, là, c'est parce qu'il y a comme un petit bruit qui me dérange, là. Ben, Manolo, plus vite tu vas venir m'aider, là, plus vite je vais finir. Bon, tiens le clou qui est là, là. Non, 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 je vais prendre le marteau, moi. J'ai besoin de mes doigts pour jouer de la guitare. C'est une vis, Claude. Mais c'est bien que c'est vrai. Oh! Hey, avez-vous vu l'orage qui est tombé? Hey, mes feuilles! Quelles feuilles? Celles que t'aurais vues si t'avais regardé ce que tu faisais. T'avais juste à pas les laisser traîner. Je pensais jamais dire ça, là, mais j'étais bien à la campagne, moi. Je pouvais pas deviner qu'elles étaient là. Je te demande pas de deviner, juste de regarder. Mais voyons, Manolo, c'est pas grave, là. Elles vont revenir comme des neuves. Salut! Comme des neuves qui ont pris l'eau, hein? Oh, reviens-en, là. C'est des feuilles de musique, pas une carte pour trouver un trésor. Allô? Allô, Sina! On t'avait pas entendu entrer. J'ai bien vu ça. Une chance que c'était pas un voleur. Si ça avait été un voleur, là, il aurait goûté à mon célèbre coup de blé d'Inde à vache. Ça a l'air drôle. Ouais, tu peux pas la comprendre, là. T'étais pas avec nous à la campagne. Ben, expliquez-moi. Pète pis répète, quand ils sont tombés à l'eau, j'étais pas là, mais je la comprends quand même. Ouais, c'est une longue histoire, hein? On dirait presque que je dérange. Bon, mais si jamais ça vous tente que je rie avec vous, je vais être à l'ordi. OK. Ouais, pis fais ça vite, hein. J'en ai besoin pour clavarder avec mes amis de la campagne. Peut-être, mais c'est à mon tour. Non, on a refait l'horaire tantôt. Ah ouais? Ouais, mais comme t'es moins souvent à la maison, là, je t'ai pris quelques périodes pour la donner aux autres. Là, mais là, on pouvait pas savoir. Là. Prends-le, Simon va attendre. C'est trop gentil. Vous venez d'arriver. Les boîtes sont pas encore défaites, puis vous avez eu le temps d'enlever mon nom sur l'horaire. Ça pressait? Non, c'est parce qu'ils ont commencé à clavarder avec leurs nouveaux amis de la campagne. Là, la chicane prenait à chaque fois c'était période d'ordinateur pour savoir qui était pour la prendre. J'ai décidé de régler le problème. Salut tout le monde! Oh, elle! C'est le fun. On dirait qu'ils sont plus contents de voir Annabelle que moi. Ah, oh, j'étais assez contente que vous soyez revenus, là. Si c'était pas de mon rouge à lèvres qui tâche, je pense que je vous embrasserais tous. Ah, nous aussi, on est contents de retrouver nos vieilles affaires. Vieilles affaires? J'espère que tu parles pas de moi, là. Et puis, Janine, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, elle va rester ici le temps de se trouver un appartement dans le coin. Je la prends. Hé, hey, attention, là! Attends, j'y ai pas touché, Manolo. Il faut vraiment que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai décidé de changer de chambre. Oublie ça. Pas question que je partage ma chambre avec toi. J'ai pas dit ça non plus. Toi, tu t'en vas dans l'autre chambre avec Colin. Veux-tu mon linge avec ça? Bon, non, non, juste ta chambre. On sait quoi là? T'avais rien à faire, tu t'es dit tiens, je vais aller cœurer Simon. J'étais bien en campagne. J'avais ma chambre pour moi tout seul. Là, ça me tente pas de retomber à deux. Tu t'es trompé de porte? Moi non plus, ça me tente pas de partager ma chambre. Je t'en ai toujours à avoir à partager ma chambre. Avant, c'était avec Manolo, là, c'est avec Colin. Je veux pas recommencer. C'est une belle histoire. Tu devrais écrire un livre. Mais Manolo et moi, on a partagé notre chambre pendant longtemps. Là, c'est à ton tour. Bon, regarde, ça va faire, là. C'est pas comme ça que ça marche. C'est ma chambre, un point, c'est tout dehors. C'était ta chambre! Papa! Oh, t'es pas capable de te défendre tout seul. Tout, là. Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que Nathan a décidé de squatter ma chambre. Je suis assez vieux, je veux ma chambre pour moi tout seul. C'est quoi les histoires de chambre aujourd'hui? Là, je viens de parler à Marianne, elle m'a fait toute une scène parce que ma mère va prendre la sienne. Je t'en ai toujours à voir à partager ma chambre. Et pourtant, quand t'étais petit et que t'avais peur, la nuit, t'étais très heureux de partager ta chambre avec ma mère. Pas tant que ça! Non, je sais que tu fais ta part, Nathan, là, je t'en remercie. C'est pas toujours évident d'avoir... Ça veut dire que je peux prendre la chambre de Simon? Non, j'aimerais mieux que tu restes dans la chambre avec Colin, parce que Simon est plus vieux, il reçoit des amis, il se couche plus tard. Si je l'envoie dans la même chambre que Colin, ça risque de le déranger. Moi, c'est Colin qui me dérange.
Il y a toujours plein de bébelles qui traînent dans la chambre. Il y a tout le temps quelqu'un qui vient voir s'il a faim, s'il est toujours aussi cute, s'il a fait dans sa couche. Je veux être tranquille. Pourquoi? Pour jouer à Billy Joe en cachette? Simon, je comprends, là, mais Colin, il faut bien que je le couche à quelque part. Mais gardez-le dans votre chambre. Ça va être pratique, vous êtes toujours après lui. Là, change de ton. Hein? Je vais essayer de trouver une solution. Je l'ai rencontrée, ta grand-mère, Marianne. Elle est super cool, Janine. Tu t'en fais pour rien. Hein? Qu'est-ce que t'as laissé dans ta chambre? Je l'ai ramassé si tu veux pas qu'elle touche. Et là, temporairement, elle repeinturera pas ta chambre en brun. Ah, hey, salut. Salut. Non. Claude a dit qu'elle va être partie quand tu vas revenir. Mais je sais pas, moi, ce qu'elle va faire si elle trouve pas d'appart à son goût. Je vais voir ce que je peux faire. Je t'en donne une nouvelle. Bye. Là, Annabelle t'a raccroché. Elle était fatiguée. Il est 1h du matin pour elle. On n'était quand même pas pour parler du prix du maquillage en France. Non, ça, c'est pas un bon exemple. On en a parlé. Mais en tout cas. Mais je voulais de ses nouvelles, moi aussi. Ben, excuse-moi. Elle m'a pas demandé de te parler. C'est drôle. Je m'en serais doutée. C'est Célina! Ah! Encore! Elle est venue, je vais le passer! Si jamais elle réussit à rentrer, là, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire? On fait le mort! Voyons! Ouvrez, je le sais que vous êtes là! Non! J'exagère à peine. Ça va pas, Célina? Bof. Bof, c'est comme moyen, mais pire. Depuis que je suis partie chez mon père, je me sens quasiment comme une étrangère quand je viens ici. Personne me parle. Ah, ben, t'es chanceuse. Moi, des fois, j'aimerais ça que ma mère me parle moins. J'aurais la paix, t'sais. Tu peux pas comprendre, toi, t'es fils unique. Ah non, je comprends. Je voulais juste te faire rire un peu. Tu regrettes d'être allée vivre chez ton père, c'est ça? Ben non, je regrette pas. C'était la seule solution pour qu'on se voit plus souvent, toi et moi, sauf que... Mais je trouve ça plate. Tu sais, j'ai l'impression de plus faire partie de la famille comme avant. Voyons, Sina, c'est pas vrai, ça. Oui, c'est vrai. Personne n'est content de me voir. On dirait presque que je dérange. Puis en plus, on fait plus jamais rien, toute la famille, ensemble. Ouais. C'est normal que tu fasses moins de choses avec eux. T'es moins souvent là. Je le sais, ça. Mais même quand je suis là, je fais rien avec eux. On dirait que j'existe pas. Avant, on faisait plein d'affaires ensemble, puis c'était super le fun. Ouais, mais si ça te tente de faire quelque chose avec eux, offre-leur. Je suis sûr que ça va leur faire plaisir, eux aussi. Je suis pas sûre. Mais de toute façon, on avait prévu de se louer un film, nous deux. Ouais, ça presse pas. Si tu veux faire quelque chose avec ta famille, je comprends. On s'en prendra. Oh, t'es fin. Qu'est-ce que tu fais? T'essaies d'étourdir tes meubles? Je me fais de la place pour pouvoir répéter. Je suis tanné au sol, il y a toujours quelqu'un qui me dérange. Ben, ici, c'est pas mieux. La chambre de Colin est proche. Ils vont toujours te dire de pas jouer de la musique trop tard ou trop fort. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. T'aurais dû. Hey, Manolo, j'ai pensé qu'on pourrait écouter un film toute la gang ensemble, comme on faisait avant. Est-ce que ça tente? Je pense à ça, là. Toi, ta chambre est plus loin de celle de Colin. On pourrait changer? Non, elle est presque aussi proche. Puis, est-ce que ça te tente? Je te laisse décider quel film on va écouter. Réponds à ma question avant. Mais commence donc par répondre à la mienne. Quelle question? Laisse faire. C'est quoi l'idée? T'as redécoré ta chambre l'an dernier, puis là, tu veux déjà l'échanger. J'ai changé d'idée. Là, ce que je veux, c'est la paix. Moi, je suis très bien dans ma chambre. J'ai pas envie de l'échanger. Tu restes plus ici de toute façon. C'est du gaspillage de garder une chambre. Du gaspillage? C'est fin? Mais quoi, c'est vrai? Tu restes chez papa, là, je vois pas à quoi ça te sert d'avoir une chambre. Ben là, j'aime ça venir ici quand même, des fois. J'aime ça venir vous voir. Ouais, peut-être, là. Mais pour les fois que tu viens, là, t'es pas obligé d'avoir la meilleure chambre. Et ça a vraiment l'air de le déranger que je sois partie, hein? Pis, veux-tu? Ok, prends l'air.
Manolo, pour le film... Quel film? Ah ouais, ok, putain, mais là, faut que je déménage. T'es encore là, toi? Quel mot tu comprends pas dans « sort d'ici »? Papa m'a pas dit de sortir d'ici. Il a dit qu'il allait trouver une solution. En attendant, la chambre m'appartient autant qu'à toi. Non, non. Regarde, si tu sors pas, là, je te mets dans une boîte et je te renvoie dans ta chambre par courrier, c'est assez clair? Avec ton épaule en papier mâché, à ta place, je me tiendrai tranquille. Oh, il m'énerve! Ferme ça! Là, dites-moi là tout de suite si vous avez l'intention de faire du bruit comme ça. Je vais essayer de trouver mes bouchons pour les oreilles. On se croirait dans une discothèque. C'est pas moi, c'est Nathan. J'ai le droit d'écouter de la musique. Oui, mais dans ta chambre. Je peux pas. Je vais déranger Colin. Je pourrais t'acheter des écouteurs. Oh, mais je chante aussi quand j'écoute de la musique. La, la, la. Si j'appelle un exterminateur, tu penses-tu qu'il pourrait m'en débarrasser? C'est bon, merci. Là, je vais te demander d'être raisonnable le temps que je trouve une solution. Une solution? Oui. Tu vas la trouver où, ta solution miracle? Dans tes boîtes? Inquiète-toi pas, là. Je vais régler le problème. Nathan. J'ai hâte de voir ça. Excuse-moi, je suis pas encore habitué avec vos nouvelles chambres. Je pensais que c'était celle de Sylvina. La chambre de Sylvina, c'est la boîte de la laveuse, pas la boîte de la sécheuse. Ok, ouais, merci. Puis en passant, je pense qu'elle est pas dans sa chambre. Elle est dans la nouvelle salle de bain. Ok, puis la salle de bain, c'est... La boîte de la télé. Je commence à les connaître, les solutions de mon père. J'en ai une solution, hein. Nathan retourne dans la chambre avec Colin, c'est tout. Il n'y en est pas question. Simon, là, c'est toi le plus vieux, là, essaie de comprendre. C'est pas une question d'âge, c'est une question de logique. Même si j'avais 120 ans, je dirais que Nathan a pas d'affaires ici. Je veux bien, là, mais mets-toi à sa place. C'est le seul dans toute la maison qui a pas de chambre. T'sais, je veux bien essayer d'arranger les choses pour le mieux, là, mais toi de ton côté, là, tu vas faire un effort. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'espère que tu passes pas m'envoyer dans la chambre avec Colin. Il me dérange, j'ai des devoirs à faire. Oh, celui-là, garde-là quand l'école va être commencée. À part de ça, ton ami Étienne est bien venu rester ici pendant 2 mois quand sa mère est à l'hôpital. Tu n'auras pas me dire qu'il n'y a pas de la place pour deux dans cette chambre-là? Ah, c'est vrai, ça. C'est pas pareil, ça. Pourquoi il dit ça, lui? Il commence à me faire peur. Là, là, vous allez essayer de vous entendre et de vous amuser comme deux frères au lieu de vous chicaner. Cette année. Sylvina, c'est ton jour de chance. Ah ouais? Je t'offre la chance de laisser ta chambre à Jeannine et de dormir dans celle de Marianne pendant son absence. C'est drôle, mais j'ai l'impression que ça fait plus l'affaire de Marianne que la mienne. Bon. OK. C'est vrai que Marianne aimerait mieux que Jeannine couche pas dans sa chambre. Elle a peur qu'elle fouille puis qu'elle soit pas partie quand elle va revenir. Mais... toi aussi, tu y gagnes! Ah ouais? Savais-tu que la chambre de Marianne est peinturée de couleurs stimulantes qui ont un effet positif sur le cerveau? En quelques jours seulement, tu te sentiras plus en forme, tes capacités d'apprentissage seront améliorées et ta joie de vivre sera plus grande. Et tout ça est à moi pour 4 versements faciles de 39,95, je suppose. Sylvina, il faut que je te parle. Ah, moi aussi. Est-ce que ça te tente qu'on écoute un film en gang? Un film? Pourquoi? T'es pas capable de l'écouter toute seule? Voudrais-tu qu'on échange nos chambres? Ah, oh, coudonc, ça s'attrape cette maladie-là. Tout, j'étais là avant. Pis, veux-tu prendre la chambre de Marianne? Non. C'est avec moi que tu vas faire l'échange, OK? J'ai peur que mon père me fasse partager une chambre. Il commence à dire qu'elle est assez grande pour deux, pis j'aime pas ça. En ayant une chambre plus petite, je me suis dit que je resterais tout seul.
Je suis même pas sûre que la mienne est plus petite que la tienne. Puis si je suis ta logique, là, c'est moi qui devrais partager, c'est ça? Non, toi, t'es correct. Il mettra pas un gars pis une fille ensemble. Ah. Sylna, j'aime pas ça ta chambre, je me sens pas bien, on annule l'échange, OK? T'avais changé ta chambre contre celle de Manolo. Pourquoi tu me l'as pas dit? Vous m'avez pas laissé le temps, peut-être? Ben, moi, je vais la prendre, sa chambre. Parfait, OK. Moi, je vais prendre la tienne, Simon. Parfait. Toi, Sylna, t'as celle de Manolo. OK. Ben, Sylna, veux-tu échanger celle de Manolo qui est devenue la tienne à Janine? OK. Parfait. Tout le monde est content? T'es fait avoir. Claude pense mettre deux personnes dans la chambre de Simon. Hey, t'aurais pas pu te taire. T'es pas correct, Simon. Je veux avoir ma chambre. C'est pas moi qui l'ai. Je veux ma chambre. Trop tard. Bon, regarde, je vais la prendre, moi, celle de Simon. Parfait, c'est échangé. Il y en a qui sont moins mesquins que d'autres. Bon, OK, prends-la. Moi, en autant que Janine couche pas dans la chambre de Marianne. De toute façon, je suis même plus sûre de comprendre qui est rendu dans quelle chambre. Mais moi, je suis retournée dans ma chambre parce que c'est Simon. Moi, j'ai la chambre de Sylna, c'est simple comme ça. Avec Nathan, je t'en ai. Bon, tout le monde est content, là? Ouais, moi, je suis. Moi aussi. C'est surtout Marianne qui va être contente. Pour le film, j'ai pensé... Attends, après, là. Toi, Sylna, t'as la chambre de... Simon. Simon, t'as la chambre de Sylna, puis Manolo t'a repris la tienne. Mais là, ça marche pas, là! Janine est retournée dans la chambre de Marianne! Nathan, c'est ton jour de chance! J'ai l'offre du siècle, puis c'est à toi que j'ai décidé de l'offrir. Quoi? Si je te dis que je peux augmenter ta joie de vivre et tes capacités d'apprentissage tout en améliorant ta forme physique... De quoi tu parles? Voudrais-tu laisser ta chambre à Janine puis coucher dans celle de Marianne? Pourquoi je fais ça? J'ai entendu dire que tu voulais ta chambre à toi tout seul! Oui, sauf que quand Marianne va revenir, elle va me mettre dehors puis je serai pas plus avancée. Ben, c'est un début. Puis un début vaut mieux que deux, tu l'auras? Ouais, peut-être. Assieds-toi un peu, je vais y penser. Prends ton temps. Aimerais-tu qu'on joue à Billy Joe pendant que tu y penses? Ah, Billy Joe, ça fait longtemps que je joue plus à ça. Ah, salut papa! Oui? Oh, je voulais juste te dire salut. Mais je peux pas te parler plus. J'ai quelqu'un avec moi dans ma chambre. Ok. Ah, c'est pour ça que tu vas avoir ta chambre à toi tout seul. On va inviter des filles. Ah, pas juste des filles. Plein de monde! Mais si je suis dans la même chambre que Colin, je préfère t'avertir, ça va le déranger. Inquiète-toi pas, je te l'ai dit que j'étais pour trouver une solution. Si j'ai pas ma chambre pour moi tout seul, je fais la grève du sommeil. Je te le dis tout de suite, tu vas trouver ça fatigant. Bon, ben à quoi on joue? Mais joue à ce que tu veux, j'ai pas le temps. Mais puis pour la chambre de Marianne? Tu sais que c'est la chambre la plus près des toilettes. Et c'est pratique la nuit quand t'en as besoin. Fatigue-toi pas pour rien. J'en veux pas de sa chambre. Non. Est-ce que tu t'es servi de moi? Le film a pas été long? Vous l'avez écouté en accéléré ou... Je le savais que ça marcherait pas. Personne s'intéresse à moi. Tout ce qu'ils veulent, c'est ma chambre. Je suis sûr que t'exagères. Je suis sûre que non. Sylna? Quoi? J'ai repensé à ça, là, pour les chambres. Oh là, j'espère que c'est pas encore pour un échange. Non, inquiète-toi pas, là, je vais pas échanger. Peut-être qu'il veut s'excuser pour ce qu'il m'a dit tantôt. Mieux vaut tard que jamais. Je me disais que... Que? Est-ce que ça te dérangerait que je prenne ta chambre pendant que t'es pas là? Comme ça, ça me ferait une place pour répéter, puis une autre pour dormir. Mais t'es donc bien égoïste! Panique pas, là. Je te la demande, t'es pas obligé de dire oui. J'irai seulement pour jouer un peu de guitare. Mais c'est ça, hein? Garde-la donc, ma chambre, si tu la veux. J'en reviendrai plus, tu vas être bien content! C'était pas fort. Qu'est-ce que j'ai fait? Simon! Tiens, mon noisson dans ta chambre en passant. Ah, mais ça va dans ma chambre, ça veut dire que ça va dans l'ancienne chambre de Sylna. Je comprends pas, là. On a fait des petits changements au niveau des chambres. Quel genre de changement?
Maintenant, je dors dans la chambre de Célina. Puis Célina dort où, elle? Dans ma chambre. J'espère que la salle de bain est toujours au même endroit. Mais oui, on a juste fait des changements de chambre, y a rien là. Mais là, c'est parce que j'aurais aimé ça que vous m'avisiez avant de tout virer à l'envers. Au contraire, tu devrais être fier de nous. On a réglé ça entre nous autres, comme des adultes, puis sans chicane. Ben, peut-être là, mais j'aurais quand même aimé... Tout le monde est content, papa. T'aurais même pas à t'en mêler. Attends, Célina, ça va pas, madame? Ça va aller quand je vais être partie. Mais alors, qu'est-ce qui se passe, là? Je vous laisse tout. La TV, l'ordi, ma chambre, hein? Vous allez être contents, je dérangerai plus personne. Oui. Célina! Je comprends pas. Je comprends pas. Là, tu restes ici, je vais aller régler ça. Célina! Comme ça fait pas l'affaire de tout le monde, on va tous reprendre sa chambre. Moi, je t'avertis, il n'est pas question que je partage ma chambre avec Colin. Moi non plus. Hey, c'est pas terminé. J'ai un compromis à te proposer. On va sortir tous les jouets de Colin de la chambre, on va te laisser décorer à ton goût, puis Colin va l'utiliser juste pour dormir. Juste pour dormir? Dans le cas de Colin, c'est quand même 12 heures par jour. Toi aussi, tu dors pendant ce temps-là, tu t'en rendras même pas compte. Nathan, j'essaie de te faire plaisir. Fais un effort. Je sais pas. C'est quand même pas ce que j'avais demandé. C'est que ta faute aussi, Claude. Tu y annonçais en disant que t'as un compromis. C'est pas vendeur, ça fait peur. Dis que t'as l'offre du siècle, ça, c'est vendeur. Annabelle. Puis Nathan, ça va à peine d'essayer. Mais si Colin couche dans ma chambre, je serai pas plus tranquille. Il va toujours y avoir du monde qui va entrer puis sortir. Je te promets qu'on va faire de gros efforts pour pas trop y aller. Hein, Colin a vieilli, a moins besoin de surveillance. Tout est là, tu vas pouvoir le surveiller. OK, d'abord. Mais à une condition. Je veux plus que ça s'appelle la chambre de Colin. C'est ma chambre maintenant. Ah ben, hey, là, tu me fais plaisir. Tapissier. Tu vois, quand on est capable de faire des compromis comme ça, c'est la preuve d'une maturité, qu'on n'est plus un bébé lala. Je sais. Si vous êtes capable de pas aller dans la chambre de Nathan, j'espère que vous allez être capable de pas trop aller au sous-sol aussi. J'aimerais ça être tranquille des fois. Manolo, hein? La maison est à tout le monde. Bon, là, c'est un peu en désordre, mais quand les boîtes vont être rangées, vous allez voir, ça va être correct. J'ai hâte de voir ça. La maison a pas rapetissé pendant notre absence? Moi, peut-être. Bon! Non, mais faut pas oublier Janine non plus, hein? Marianne va rappeler, faut que je dise quelque chose. Ma belle, laisse-moi régler ça avec Marianne, veux-tu? Oh, parfait. Moi, je lui ai dit que tout était correct, mais elle me croyait pas. Bon, je pense que j'ai des choses à me faire pardonner, moi, là. Est-ce qu'on écoute le film? Ouais! Tu vois que ça leur tentait? Ouais. Mais tu sais, ça a été tellement compliqué, là. Je me demande si vous le faites juste pour me faire plaisir ou si ça vous tente vraiment. Mais non! Voyons, on dit pas des choses comme ça, ma chouette. Ah, c'est juste que t'es tombé sur une journée très occupée. Expliquez-moi. Pète pis répète, quand ils sont tombés à l'eau, j'étais pas là, mais je la comprends quand même. Ouais, c'est une longue histoire, hein? On dirait presque que je dérange. Bon, mais si jamais ça vous tente que je rie avec vous, je vais être à l'ordi. OK. Ouais, pis fais ça vite, hein? J'en ai besoin pour clavarder avec mes amis de la campagne.
Peut-être, mais c'est à mon tour. Non, on a refait l'horaire tantôt. Ah ouais? Ouais, mais comme t'es moins souvent à la maison, là, je t'ai pris quelques périodes pour la donner aux autres. Là, mais là, on pouvait pas savoir. Là. Prends-le, Simon va attendre. C'est trop gentil. Vous venez d'arriver. Les boîtes sont pas encore défaites, puis vous avez eu le temps d'enlever mon nom sur l'horaire. Ça pressait? Non, c'est parce qu'ils ont commencé à clavarder avec leurs nouveaux amis de la campagne. Là, la chicane prenait à chaque fois c'était période d'ordinateur pour savoir qui était pour la prendre. J'ai décidé de régler le problème. Salut tout le monde! Oh, Annabelle! C'est le fun. On dirait qu'ils sont plus contents de voir Annabelle que moi. Ah, oh, j'étais assez contente que vous soyez revenus, là. Si c'était pas de mon rouge à lèvres qui tâche, je pense que je vous embrasserais tous. Ah, nous aussi, on est contents de retrouver nos vieilles affaires. Vieilles affaires? J'espère que tu parles pas de moi, là. Et puis, Janine, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, elle va rester ici le temps de se trouver un appartement dans le coin. Je la prends. Hé, hey, attention, là! Attends, j'y ai pas touché, Manolo. Il faut vraiment que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai décidé de changer de chambre. Oublie ça. Pas question que je partage ma chambre avec toi. J'ai pas dit ça non plus. Toi, tu t'en vas dans l'autre chambre avec Colin. Veux-tu mon linge avec ça? Bon, non, non, juste ta chambre. On sait quoi là? T'avais rien à faire, tu t'es dit tiens, je vais aller cœurer Simon. J'étais bien en campagne. J'avais ma chambre pour moi tout seul. Là, ça me tente pas de retomber à deux. Tu t'es trompé de porte? Moi non plus, ça me tente pas de partager ma chambre. Je t'en ai toujours à avoir à partager ma chambre. Avant, c'était avec Manolo, là, c'est avec Colin. Je veux pas recommencer. C'est une belle histoire. Tu devrais écrire un livre. Mais Manolo et moi, on a partagé notre chambre pendant longtemps. Là, c'est à ton tour. Bon, regarde, ça va faire, là. C'est pas comme ça que ça marche. C'est ma chambre, un point, c'est tout dehors. C'était ta chambre. Papa! Oh, t'es pas capable de te défendre tout seul. Tout, là. Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que Nathan a décidé de squatter ma chambre. Je suis assez vieux, je veux ma chambre pour moi tout seul. C'est quoi les histoires de chambre aujourd'hui? Là, je viens de parler à Marianne, elle m'a fait toute une scène parce que ma mère va prendre la sienne. Je t'en ai toujours à voir à partager ma chambre. Et pourtant, quand t'étais petit... Votre film a pas été long? Vous l'avez écouté en accéléré ou... Je le savais que ça marcherait pas. Personne s'intéresse à moi, tout ce qu'ils veulent, c'est ma chambre. Ah. Je suis sûr que t'exagères. Je suis sûre que non. Célina? Quoi? J'ai repensé à ça, là, pour les chambres. Oh là, j'espère que c'est pas encore pour un échange. Non, non, inquiète-toi pas, là, je vais pas échanger. Peut-être qu'il veut s'excuser pour ce qu'il m'a dit tantôt. Mieux vaut tard que jamais. Je me disais que... Que? Est-ce que ça te dérangerait que je prenne ta chambre pendant que t'es pas là? Comme ça, ça me ferait une place pour répéter. Et une autre pour dormir. Mais t'es donc bien égoïste! Panique pas, là. Je te la demande, t'es pas obligé de dire oui. J'irai seulement pour jouer un peu de guitare. Mais c'est ça, hein? Garde-la donc, ma chambre, si tu la veux. J'en reviendrai plus, tu vas être bien content! C'était pas fort. Qu'est-ce que j'ai fait? Simon! Tiens, montre-moi ça dans ta chambre en passant. Ah, mais si ça va dans ma chambre, ça veut dire que ça va dans l'ancienne chambre de Célina. Je comprends pas, là. Ah. On a fait des petits changements au niveau des chambres. Quel genre de changement? Maintenant, je dors dans la chambre de Célina. Pis Célina, elle dort où, elle? Dans ma chambre. J'espère que la salle de bain est toujours au même endroit. Mais oui, on a juste fait des changements de chambre, y a rien, là. Mais là, c'est parce que j'aurais aimé ça que vous m'avisiez avant de tout virer à l'envers. Au contraire, tu devrais être fier de nous. On a réglé ça entre nous autres, comme des adultes, pis sans chicane. Ben, peut-être, là, mais j'aurais quand même... Tout le monde est content, papa. T'aurais même pas à t'en mêler. Attends, Célina, ça va pas, madame? Ça va aller quand je vais être partie. Mais voyons, là, qu'est-ce qui se passe, là? Je vous laisse tout. La TV, l'ordi, ma chambre, hein? Vous allez être contents, je dérangerai plus personne. Oui. Célina! Je comprends pas. Je comprends pas. Là, tu restes ici, je vais aller régler ça. Célina! Bon, comme ça fait pas l'affaire de tout le monde, on va tous reprendre sa chambre. Moi, je t'avertis, il est pas question que je partage ma chambre avec Colin.
Moi non plus. C'est pas terminé. J'ai un compromis à te proposer. On va sortir tous les jouets de Colin de la chambre, on va te la laisser décorer à ton goût, puis Colin va l'utiliser juste pour dormir. Juste pour dormir? Dans le cas de Colin, c'est quand même 12 heures par jour. Mais toi aussi, tu dors pendant ce temps-là, tu t'en rendras même pas compte. Nathan, j'essaie de te faire plaisir, fais un effort. Mais je sais pas. C'est quand même pas ce que j'avais demandé. C'est que ta faute aussi, Claude. Tu y annonces ça en disant que t'as un compromis. C'est pas vendeur, ça fait peur. Dis que t'as l'offre du siècle, ça, c'est vendeur. Voyons! Je sais que vous êtes là! J'exagère à peine. Ça va pas, Sylvina? Bof. Bof, c'est comme moyen, mais pire. Depuis que je suis partie chez mon père, je me sens quasiment comme une étrangère quand je viens ici. Personne me parle. Ah ben, t'es chanceuse. Moi, des fois, j'aimerais ça que ma mère me parle moins. J'aurais la paix, t'sais. Tu peux pas comprendre, toi, t'es fils unique. Ah non, je comprends. Je voulais juste te faire rire un peu. Tu regrettes d'être allée vivre chez ton père, c'est ça? Ben non, je regrette pas. C'était la seule solution pour qu'on se voit plus souvent, toi et moi, sauf que... Mais je trouve ça plate. Tu sais, j'ai l'impression de plus faire partie de la famille comme avant. Voyons, Sylvina, c'est pas vrai, ça. Oui, c'est vrai. Personne n'est content de me voir. On dirait presque que je dérange. Puis en plus, on fait plus jamais rien, toute la famille, ensemble. Ouais. C'est normal que tu fasses moins de choses avec eux. T'es moins souvent là. Je le sais, ça. Mais même quand je suis là, je fais rien avec eux. On dirait que j'existe pas. Avant, on faisait plein d'affaires ensemble, puis c'était super le fun. Ouais, mais si ça te tente de faire quelque chose avec eux, offre-leur. Je suis sûr que ça va leur faire plaisir, eux aussi. Je suis pas sûre. Mais de toute façon, on avait prévu de se louer un film, nous deux. Ouais, ça presse pas. Si tu veux faire quelque chose avec ta famille, je comprends. On s'en prendra. Oh, t'es fin. Qu'est-ce que tu fais? T'essaies d'étourdir tes meubles? Je me fais de la place pour pouvoir répéter. Je suis tanné au sol, il y a toujours quelqu'un qui me dérange. Ben, ici, c'est pas mieux. La chambre de Colin est proche. Ils vont toujours te dire de pas jouer de la musique trop tard ou trop fort. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. T'aurais dû. Hey, Manolo, j'ai pensé qu'on pourrait écouter un film toute la gang ensemble, comme on faisait avant. Est-ce que ça tente? Je pense à ça, là. Toi, ta chambre est plus loin de celle de Colin. On pourrait changer? Non, elle est presque aussi proche. Puis, est-ce que ça te tente? Je te laisse décider quel film on va écouter. Réponds à ma question avant. Mais commence donc par répondre à la mienne. Quelle question? Laisse faire. C'est quoi l'idée? T'as redécoré ta chambre l'an dernier, puis là, tu veux déjà l'échanger. J'ai changé d'idée. Là, ce que je veux, c'est la paix. Moi, je suis très bien dans ma chambre. J'ai pas envie de l'échanger. Tu restes plus ici de toute façon. C'est du gaspillage de garder une chambre. Du gaspillage? C'est fin? Mais quoi, c'est vrai? Tu restes chez papa, là, je vois pas à quoi ça te sert d'avoir une chambre. Ben là, j'aime ça venir ici quand même, des fois. J'aime ça venir vous voir. Ouais, peut-être, là. Mais pour les fois que tu viens, là, t'es pas obligé d'avoir la meilleure chambre. Ouais, c'est une longue histoire, hein? On dirait presque que je dérange. Bon, mais si jamais ça vous tente que je rie avec vous, je vais être à l'ordi. OK. Ouais, puis fais ça vite, hein. J'en ai besoin pour clavarder avec mes amis de la campagne. Peut-être, mais c'est à mon tour. Non, on a refait l'horaire tantôt. Ah ouais? Ouais, mais comme t'es moins souvent à la maison, là, je t'ai pris quelques périodes pour la donner aux autres. Là, mais là, on pouvait pas savoir. Là. Prends-le, Simon va attendre. C'est trop gentil. Vous venez d'arriver. Les boîtes sont pas encore défaites, puis vous avez eu le temps d'enlever mon nom sur l'horaire. Ça pressait? Non, c'est parce qu'ils ont commencé à clavarder avec leurs nouveaux amis de la campagne. Là, la chicane prenait à chaque fois c'était période d'ordinateur pour savoir qui était pour la prendre. J'ai décidé de régler le problème. Salut tout le monde! Oh, Annabelle! C'est le fun. On dirait qu'ils sont plus contents de voir Annabelle que moi. Ah, oh, j'étais assez contente que vous soyez revenus, là. Si c'était pas de mon rouge à lèvres qui tâche, je pense que je vous embrasserais tous. Ah, nous aussi, on est contents de retrouver nos vieilles affaires. Vieilles affaires? J'espère que tu parles pas de moi, là. Et puis, Janine, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, elle va rester ici le temps de se trouver un appartement dans le coin. Je la prends. Hé, hey, attention, là! Attends, j'y ai pas touché, Manolo. Il faut vraiment que je fasse quelque chose.
qu'est-ce que tu fais là? J'ai décidé de changer de chambre. Oublie ça. Pas question que je partage ma chambre avec toi. J'ai pas dit ça non plus. Toi, tu t'en vas dans l'autre chambre avec Colin. Veux-tu mon linge avec ça? Bon, non, non, juste ta chambre. On sait quoi, là? T'avais rien à faire, petit Eddie, tiens, je vais aller cœurer Simon. J'étais bien en campagne. J'avais ma chambre pour moi tout seul. Là, ça me tente pas de retomber à deux. Tu t'es trompé de porte? Moi non plus, ça me tente pas de partager ma chambre. Je t'en ai toujours à avoir à partager ma chambre. Avant, c'était avec Manolo, là, c'est avec Colin. Je veux pas recommencer. C'est une belle histoire. Tu devrais écrire un livre. Mais Manolo et moi, on a partagé notre chambre pendant longtemps. Là, c'est à ton tour. Bon, regarde, ça va faire, là. C'est pas comme ça que ça marche. C'est ma chambre, un point, c'est tout dehors. C'était ta chambre. Papa! Oh, t'es pas capable de te défendre tout seul. Tout, là. Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que Nathan a décidé de squatter ma chambre. Je suis assez vieux, je veux ma chambre pour moi tout seul. C'est quoi les histoires de chambre aujourd'hui? Là, je viens de parler à Marianne, elle m'a fait toute une scène parce que ma mère va prendre la sienne. Je t'en ai toujours à voir à partager ma chambre. Et pourtant, quand t'étais petit et que t'avais peur la nuit, t'étais très heureux de partager ta chambre avec ma mère. Pas tant que ça. Non, je sais que tu fais ta part, Nathan, là, je t'en remercie. C'est pas toujours évident d'avoir... Ça veut dire que je peux prendre la chambre de Simon? Non, j'aime... Ok, il y a 1h du matin pour elle. On n'était quand même pas pour parler du prix du maquillage en France. Non, ça, c'est pas un bon exemple. On en a parlé. Mais en tout cas... Mais je voulais tes nouvelles, moi aussi. Ben, excuse-moi, elle m'a pas demandé de te parler. C'est drôle. Je m'en serais douté. C'est Célina! Encore! Elle est venue la semaine passée! Si jamais elle réussit à rentrer, là, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire? On fait le mort. Voyons! Ouvrez, je sais que vous êtes là! Non! J'exagère à peine. Ça va pas, Célina? Bof. Bof, c'est comme moyen, mais pire. Depuis que je suis partie chez mon père, je me sens quasiment comme une étrangère quand je viens ici. Personne me parle. Ah ben, t'es chanceuse. Moi, des fois, j'aimerais ça que ma mère me parle moins. J'aurais la paix, t'sais. Tu peux pas comprendre, toi, t'es fils unique. Ah non, je comprends. Je voulais juste te faire rire un peu. Tu regrettes d'être allée vivre chez ton père, c'est ça? Ben non, je regrette pas. C'était la seule solution pour qu'on se voit plus souvent, toi et moi, sauf que... Mais je trouve ça plate. Tu sais, j'ai l'impression de plus faire partie de la famille comme avant. Voyons, Sina, c'est pas vrai, ça. Oui, c'est vrai. Personne n'est content de me voir. On dirait presque que je dérange. Puis en plus, on fait plus jamais rien, toute la famille, ensemble. Ouais. C'est normal que tu fasses moins de choses avec eux. T'es moins souvent là. Je le sais, ça. Mais même quand je suis là, je fais rien avec eux. On dirait que j'existe pas. Avant, on faisait plein d'affaires ensemble, puis c'était super le fun. Ouais, mais si ça te tente de faire quelque chose avec eux, offre-leur. Je suis sûr que ça va leur faire plaisir, eux aussi. Je suis pas sûre. Mais de toute façon, on avait prévu de se louer un film, nous deux. Ouais, ça presse pas. Si tu veux faire quelque chose avec ta famille, je comprends. On s'en prendra. Oh, t'es fin. Qu'est-ce que tu fais? T'essaies d'étourdir tes meubles? Je me fais de la place pour pouvoir répéter. Je suis tannée au sol, il y a toujours quelqu'un qui me dérange. Ben, ici, c'est pas mieux. La chambre de Colin est proche. Ils vont toujours te dire de pas jouer de la musique trop tard ou trop fort. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. T'aurais dû. Hey, Manolo, j'ai pensé qu'on pourrait écouter un film toute la gang ensemble, comme on faisait avant. Est-ce que ça te tente? Je pense à ça, là. Toi, ta chambre est plus loin de celle de Colin. On pourrait changer? Non, elle est presque aussi proche. Puis, est-ce que ça te tente? Je te laisse décider quel film on... C'est pas comme ça que ça marche. C'est ma chambre, un point, c'est tout dehors. C'était ta chambre! Papa! Oh, t'es pas capable de te défendre tout seul. Tout, là. Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que Nathan a décidé de squatter ma chambre. Je suis assez vieux, je veux ma chambre pour moi tout seul. C'est quoi les histoires de chambre aujourd'hui? Là, je viens de parler à Marianne, elle m'a fait toute une scène parce que ma mère va prendre la sienne.
Je t'en ai toujours à voir à partager ma chambre. Et pourtant, quand t'étais petit et que t'avais peur la nuit, t'étais très heureux de partager ta chambre avec mamie. Pas tant que ça. Non, je sais que tu fais ta part, Nathan, là, je t'en remercie. C'est pas toujours évident d'avoir... Tu veux dire que je peux prendre la chambre de Simon? Non, j'aimerais mieux que tu restes dans la chambre avec Colin, parce que Simon est plus vieux, il reçoit des amis, il se couche plus tard. Si je l'envoie dans la même chambre que Colin, ça risque de le déranger. Moi, c'est Colin qui me dérange. Il y a toujours plein de bébelles qui traînent dans la chambre. Il y a tout le temps quelqu'un qui vient voir s'il a faim, s'il est toujours aussi cute, s'il a fait dans sa couche. Je veux être tranquille. Pourquoi? Pour jouer à Billy Joe en cachette? Simon, je comprends, là, mais Colin, il faut bien que je le couche à quelque part. Mais gardez-le dans votre chambre. Ça va être pratique, vous êtes toujours après lui. Là, change de ton. Hein? Je vais essayer de trouver une solution. Je l'ai rencontrée, ta grand-mère, Marianne. Elle est super cool, Janine. Tu t'en fais pour rien. Hein? Qu'est-ce que t'as laissé dans ta chambre? Je l'ai ramassé si tu veux pas qu'elle touche. Et là, temporairement, elle repeinturera pas ta chambre en brun. Ah, hey, salut. Salut. Non. Claude a dit qu'elle va être partie quand tu vas revenir. Mais je sais pas, moi, ce qu'elle va faire si elle trouve pas d'appart à son goût. Je vais voir ce que je peux faire. Je t'en donne une nouvelle. Bye. Là, Annabelle t'a raccroché. Elle était fatiguée. Il est 1h du matin pour elle. On n'était quand même pas pour parler du prix du maquillage en France. Non, ça, c'est pas un bon exemple. On en a parlé. Mais en tout cas. Mais je voulais de ses nouvelles, moi aussi. Ben, excuse-moi. Elle m'a pas demandé de te parler. C'est drôle. Je m'en serais doutée. C'est Célina! Ah! Oh, elle est venue la semaine passée! Si jamais elle réussit à rentrer, là, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire? On fait le mort! Voyons! Ouvrez, je le sais que vous êtes là! Non! J'exagère à peine. Ça va pas, Célina? Bof.